On va oublier ça. On va oublier ça. Parce que ça, l'occultateur solaire, ça me fait sur 10 cases. Sur la warm-up. Et donc, voilà. C'est foutu. Donc, on met à la poubelle. J'aurais pu l'accepter à la limite ici, parce que j'aurais pu l'attaquer. Mais de l'autre côté, comment voulez-vous que je l'attaque ? Hein ? Je suis pas dans la bonne... au bon endroit. Voilà, monsieur Decker. Vous dormez bien, mon ami. Mais vous avez parfaitement raison de bien dormir. Après, vous allez avoir un petit peu de travail. Un vagabond vous rejoint. Donc ici, il faut que j'agrandisse la zone, bien entendu, pour que tout soit dedans. Il faut que je sois sûr que tout soit dedans. Hein. Ok. Donc on n'a plus que 3 cases à miner. Alors, monsieur, une vagabonde. Se rendre sur les lieux. Comment es-tu, mademoiselle? Elle a quel âge? 85 ans. Elle a 85 ans. Visez-moi ça. Voilà ce qu'on m'offre. 85 ans. Sa bio. Elle est magnifique. Imagine. Tout le monde va l'adorer, bien entendu. Mais la petite dormeuse, elle est très bien. Hein. Mais 85 ans, c'est peut-être un peu vieux parce qu'elle va mourir, là. Donc, si je ne me trompe, au niveau du social, elle connaît encore personne. Elle a que des connaissances. Donc, merci, Dan. Merci, pas Dan. Merci. Comment est-ce qu'il s'appelle encore? Merci le storyteller. Parce que qu'est-ce que vous voulez que je foute avec un mec pareil, quoi? Faut arrêter, quoi. C'est 85 ans. T'es une artiste de 12-80. Le problème, si je la garde, elle est magnifique. Elle risque de se marier avec un de mes petits jeunes. Ce qui veut dire que pendant 30 jours, une fois qu'elle sera morte, l'autre, il sera triste d'avoir perdu sa mémé. Hein? Et sincèrement. Ouais. Vanilla. Voilà. Mon ami, tu te fous de qui, là? Retour. On va pas faire ça. On va se mettre... On va se l'envoyer. Donc, on va démolir ça. On va créer. Ah, tu vas aller nettoyer tout ça, toi, ma belle. Coleman, architecte. Divers. Tu vas te prendre une zone de chargement de caravane que tu vas mettre ici. Pas là, non. Voilà, tu vas créer une petite zone de stockage ici. Voilà. Ok. Ensuite, je vais faire. On va lui créer une caravane.
former une caravane. Qui êtes-vous, mademoiselle? Coleman. Coleman, vous avez un bon couteau, hein? Il n'y a que toi qui vas y aller, ma belle. Choisir un trajet, tu viens jusqu'ici. On accepte. On regarde. Où es-tu, Coleman? Matériel. T'as trois plats simples en plus, mais c'est bien ça. T'as des bons trucs à revendre. Ok, j'ai ici. Alors. Pantalon en diabétoff. Tu vas prendre ça. Fourrure de loup, c'est pas mal non plus. Ça, c'est diabétoff. Voilà. Ça, c'est du diabétoff aussi. On avait déjà un. Allez, je vais regarder ça. Ça comme problème déjà. Cataracte, perte, il n'a plus d'oreille, il n'a plus d'yeux, il n'a plus rien. Voilà, bagot. Qu'est-ce que. Sincèrement, je suis tout de la gueule de qui, mec? Bien. Maintenant, matériel. 53 degrés, c'est bon pour partir. T-shirt, pantalon, un chapeau peut-être. Petit chapeau. Voilà, on va prendre ça. Ok, maintenant tu vas prendre tous ces trucs-là avec. Charger t-shirt. Charger chapeau. Charger. Non, ça c'est pour nous. Pantalon en synthé médiocre, et il y en a un autre que tu veux, et celui-ci qu'on garde. Toi, je te garde. Prends déjà comment tu vis. Prends déjà tout ce qu'il y a. Par contre, médiocre ici, porté par un mort, celui-ci n'a pas été porté par un mort. Porté par un mort. Mort. Ok. Mets le chapeau. Ok. J'aurais pu venir un petit peu plus tôt, hein. Ça m'aurait permis tout simplement de t'utiliser toute seule. Voilà, et maintenant tu te tires, ma belle. Et voilà, on t'envoie dans l'autre colonie.
Et d'ailleurs, on va aller voir un petit peu ce que fait notre ami Decker. Notre ami Decker vient de terminer tout ceci. Et il passe au suivant. Quelle heure est-il? Il est 6h du matin. Malheureusement, ça c'est qui ça? C'est Coleman, ça ne me dérange pas du tout. Voilà, encore un fait, il n'y en a plus qu'un. Agrandir zone. Voilà. Après, il faudra qu'on désinstalle et qu'on désinstalle ceci aussi. Et qu'on désinstalle celui-ci. Voilà. Et qu'on vérifie qu'on a bien mis une zone partout. Bien. Ouais, le petit dernier. Alors là, j'ai un colon inactif. Et ça, ça me semble... Ah oui, mais j'ai pas de courant. Ok. Le lit double en bois est bon. J'ai créé des nouveaux lits. Bien entendu, du normal. Eh bien, on va te démolir. On va en faire une copie. On va essayer, une fois d'arriver à me faire quelque chose de bien, mademoiselle. Libellule. Alors, on va demander au chauve qui est là. Elle ne peut pas. Maintenant, tout le monde dort. Eh bien, essayez avec Bud, alors, peut-être. Avec Bud, tu peux. Non, tu peux pas maintenant, c'est pas le bon moment. Oh! Oui, ici ça pousse, c'est logique. Mes batteries sont bonnes. Par contre, là, ma batterie est bonne. On dirait que l'éclipse, non, elle n'est pas finie encore. 23 heures. C'est sympathique. Alors. J'en avais quelqu'un qui avait... Donc, ils ont fini les... Ils ont fini de me faire les sols, enfin, les murs. C'est bien. On va aplanir les surfaces ici. Voilà. On va jusqu'ici. Ça suffira. Ensuite... Ici, j'ai besoin d'aplanir ceci, les murs, là on a fait les murs, et je voudrais également aplanir ici. Pourquoi est-ce que je veux aplanir ici? De nouveau, c'est la même chose, j'ai besoin de ne pas être attaqué, donc... Plus moins ça va être naturel ceci, mieux ça se porterait. On va déjà commencer à vider ici les objets. On va vider tout ça dans la nature. Donc, on vire. Le problème c'est que je voudrais bien ne pas avoir cette fenêtre là tout le temps. Et voilà le petit dernier. Comme ça, tu peux même pas les bouffer. Je suis encore plus content avec moi. Comment vis-tu, mon ami? Ah, tu es bien comme ça. Que la moto soit partie. Bien. Fais l'équerre. On avait fini. Ok. Pour ceci, agrandir zone. On vient ici. On a tout. On a tout. On crée. Ah oui, il faut que tu viennes ici. Donc, Decker. Mine minerai d'uranium. T'as trouvé de l'uranium où? Oh! Oh,
Et c'est de la zone 1 aussi, ça, alors. Tiens, tiens, un peu étonné, là. Mais c'est bien, ça. Est-ce qu'il y en a encore d'autres que celui-là? Non, il y a que là. Ok, tu me finis ça, mais j'aurais... pourquoi tu vas pas manger, Decker? Il n'y a plus rien à bouffer ici, mec, quoi. Ah ah. Il n'y a plus rien à manger, mais il y a Coleman qui arrive avec des plats. Hein. Allez, ça ira. Ah bon, ben... La lumière là-bas, combien il fait de couleurs là, de... Ouais, on est ensemble. Ça va assez vite quand même ou pas? Ouais, ben, comme c'est pas des grands trucs... Ouais. Est-ce qu'on en a d'autres? On va attendre qu'il apparaisse. L'éclipse est finie. Eh ben dis donc. On va pas rater, toi. La caravane est arrivée, la voici. Coleman. Alors, on va créer... on va créer près de notre ami Decker qui est occupé. Qui n'en a plus qu'à en faire. Donc on va demander à Coleman ici. On va faire celui-ci. Je vais dire que la zone de stockage, on va supprimer une zone ici. Voilà, tout simplement. On va créer une nouvelle zone ici dedans. Architecte. On crée une nouvelle zone de stockage où je mets tout. Stockage, par contre, je la passe en priorité critique. Et je ne veux que les plats. Donc tout est effacé, je ne veux que les plats. Parfait. Miss Coleman, vous me prenez. Voilà, Miss Coleman, vous me prenez les trois plats simples et logiquement tu devrais aller les distribuer où c'est le plus haut. Exactement, tu vas me distribuer ça là, mais c'est bien. Et comme tu en parles, tu peux pas manger, c'est parfait. Toi par contre, après tu vas passer en plat simple. Mais tu as fini ici presque, hein. Ouais, ouais, très bien. Encore un dromadaire. Donc le dromadaire neuf, on va le buter. Animaux. Je vais mettre... Je vois pas ceux qui sont prégnants. Ceux qui sont enceintes. Prégnantes. Il y en a plus qu'un qui est prégnante. On va le mettre là. Donc, dromadaire 9. Bon.
Romain Derneuf. Mais tu vas me mettre du truc. Ouais, malheureusement. Donc on oublie pour le moment. On sait que c'est le 9. Garde le 9 en tête. Allez, Necker. Stop. On va supprimer la zone ici. Et on va agrandir ceci. Donc on va supprimer zone de 3 ici. On va créer une nouvelle zone. Chez architecte, on crée une nouvelle zone de 3, qu'on positionne en priorité critique, on enlève tout et on ne veut que des ressources brutes de l'uranium. Voilà, d'équerre. Tu transportes l'uranium pas trop, non, enfin toi non, d'équerre. Voilà. D'équerre, tu transportes 75, voilà. Ça suffira. On a Coleman qui va pouvoir faire le reste. Merci Coleman. Ensuite, Coleman, tu fais quoi? Tu veux observer les nuages, hein? On vient observer les nuages en me ramenant mon... Où c'est? Ici. Voilà, comme ça. Ok. Ok. D'équerre. Tu manges. Parce que t'avais pas le droit, hein, bien sûr. Ah, oh, pauvre Coleman. Parfait. On y va. On va. J'ai besoin de quoi? Ah ouais, merde. Pardon, excusez-moi. Est-ce que j'y vais ou bien je laisse démonter des trucs et j'emporterai un peu plus avec moi? Je crois pas, non. Je crois pas. Non. On va y aller. On y va. Je vérifie. Il me faut des zones partout. Zone de stockage. Zone de stockage. Zone de stockage et zone de stockage. Ok, on a tout ce qui est en bas. Malheureusement, ici, zone de stockage. Parfait. Monde, cette fois-ci, je prends tout avec moi. Donc, je forme la caravane et je n'en ai plus besoin de m'en occuper. Je prends tous les animaux. Non, je fais annuler. Je reviens et je vérifie que j'ai bien un petit truc de départ. Ça, ça m'importe. Voilà. Ici, ça sera parfait.
Et on lance le retour. Article. Tous les plats simples. Les patates. Les composants. L'uranium. Le plastacier. La lampe. Et les vibrivaciers. Allons-y, tant qu'on est de fou, plus on est de fou, plus on rit. J'ai pas assez. Ouais. Ouais, c'est bien. Ouais, non, j'oublie les trucs. J'oublie ça. J'ai mon lit, j'ai ma lampe, j'ai ma batterie. J'ai mon plastacier, j'ai mon uranium, j'ai mes composants, j'ai le truc, je n'ai pas pris l'or. Et je n'ai pas pris l'argent. Et je prends l'iguane aussi. Et je pense que j'ai tout. Parfait. Choisir le trajet. On rentre ici. Et on y va. Accepter. Confirmer. Voilà. Allez. Travail mon gars. T'as réuni les animaux. Il y a un problème, que si, ah oui, j'ai eu peur, apaisante femelle, alors que j'ai moins de femelles, mais c'est bien. Ouais. Tout me semble très bien. Coleman. Il me reste de l'or et de l'uranium. De l'or ici. Et puis de l'uranium. Et puis bien entendu, tu vas me faire partir de l'autre côté. Ça c'est quoi ça? Ah, c'est une zone ça. On va enlever la zone animaux ici. Non, c'est pas la zone animaux ça. Non, ça n'a rien à voir. Ça doit être une. Ok, vas-y, libellule. Allez, d'accord. C'est parti ce coup-ci. Inanition, c'est qui? Coleman, ça va. Coleman, qu'est-ce que tu nous fais, Coleman? On va te mettre en travail. Coleman. Voilà. J'ai besoin que tu me fasses. J'ai besoin que tu me fasses de la construction. Voilà. De la construction. En plus, il ne peut pas en faire. Mais voilà. Voilà. On va me faire ça, mec. Ça, tu vas un peu démonter. Si jamais tu sors de ta crise, tu vas pouvoir démonter des trucs. Ok, nous autres, on est parti. On quitte cette colonie. Alors. Merci, monsieur Decker. Vous avez assez bien travaillé, je dois dire. Oh, des trumbos. Il reste là plusieurs jours. Montre-moi un peu ce que tu fais, mon petit. Ah, là, c'est un petit problème, parce que un trumbo, ça me bouffe l'entièreté à peu près de ceci. Ça me bouffe l'entièreté de ceci. Ça va venir me bouffer. Oh, c'est quoi tout ça? Oh, quel con. Mec, il est
con. Excusez-moi. Bien entendu, j'ai eu la grande idée de mettre ça en... Et voilà. Voilà ce que ça a donné. Ok. Ben ramenez-moi ça tout à l'intérieur, les gars. Je vois pas ce que vous pouvez faire d'autre. Alors, les trumbos. Comment va-t-on les bloquer? Je vais bloquer la porte ici, déjà. Donc, on va dire qu'on ferme. Ça, c'est un. On va prendre quelqu'un. Ouais, ils arrivent. Hein. Voilà, Maker, c'est le premier qui va y aller. Tu vas venir ici. Et puis tu... Ouais, il est déjà là. Stop. Et tu commences à me ramener tout. Parce qu'ils vont tout bouffer, les autres. Bon, maintenant, est-ce que je suis capable de buter deux trumbos? Ça, c'est un autre problème. Fallait que je fasse cette connerie là pour me faire avoir, bien entendu. Bon, chauve, t'es où? Chauve. Priorise, Grizzly. Alors 50, 61. Là, bam, tu vas regarder ça après. Anarchiste, ouais, allô, là, Maker, tu n'es pas obligé d'aller jusque là, Maker, tu vas remonter tout de suite, stop, ici je vais fermer la porte, et ouais, ils vont venir ici aussi, bon, est-ce qu'on les attend et on les bute? Je pense que ça pourrait se faire. Je pense qu'on va peut-être les buter. En attendant, Maker, remonte ici. Récupère-moi les trucs qui traînent. Dépêche-toi. Ok. Maker, tu lâches. Regardez-le, celui-là. Hein? Il veut manger du riz.
Ah, j'ai plus de place. D'accord. Il faut un petit peu plus de place. Donc on va tout simplement voilà. Ah, monsieur Chaud. Là. Ah, c'est Grizzly. Ok. Ensuite, on a un maker là et un maker. Tu me prends autre chose, par exemple un composant. Voilà. Je crois qu'on va les attaquer. Coleman n'est plus dans un état. Bien. Coleman, tu fais dodo. Tu fais pas grand chose, hein, mec. Oui, de toute façon, on va faire un. Tu vas pas mourir sur place. J'aime pas trop que tu meurs sur place. Je vais t'envoyer sur la route. Coleman. Donc, on va. Ici, former une caravane. Coleman, tu vas choisir un trajet et tu viens me montrer un peu ce qu'il y a quelque part. Tiens, viens un peu ici. J'en ai, tu y arrives. Voilà. Tu vas prendre avec toi. Non, tu prends rien du tout avec toi, tu t'en vas. Accepter, confirmer. Voilà. Ça, tu restes pas sur notre, dans notre, sur notre chemin. Ensuite, toi, tu vas où? Ok. Enfin, Maker, pourquoi t'as pas pris l'autre truc qui est là? Voilà. Bon, on revient. Ensuite, on va maintenant se positionner. Et on va essayer de les buter. Parce que c'est quand même très très bien les dégâts qu'on peut leur faire. Enfin, pas les dégâts qu'on peut leur faire. Je veux dire, c'est très très bien. En plus, l'autre il dort. Oh. Et en plus, l'autre il dort. Donc, on va attaquer celui-ci. Comment sont mes personnages? Ils sont en parfait état. Sauf toi qui n'as pas mangé.
Voilà, tu vas aller manger maintenant. Mange pâte nutritive. Van. Allez, porter ça, les gars. Ok. Ensuite, je veux avoir Anarchiste qui est mon mec robuste, mange sa pâte nutritive. Moi, en attendant, j'ai besoin que Monsieur le Chauve ou que quelqu'un d'autre, comme anarchiste. Non, non. C'est le chauve qui doit s'occuper de ça. Ok. Alors, tu viens me fermer la porte. Là-bas, elle est fermée. Je veux que tu viennes ici, fermer cette porte-ci, pour le moment. Parce que j'ai pas envie que l'autre s'amène me bouffer tout pour le moment. Ensuite, ok, il dort, c'est parfait. Donc là, je ne veux plus fermer ma porte. Donc, on reste comme ceci. Chauve, tu fais autre chose. Voilà. Par exemple, rechercher. Mes animaux ne peuvent plus sortir. Mes animaux sont de nouveau à l'intérieur. Donc, en herbivore, in. C'est ça. Ça, intramuros plutôt. Herbivore, intramuros. Voilà. Et carnivore, intramuros. Carnivore intramuros. Ok. J'avais le numéro 9. Il faut bien attendre qu'il soit pris. Ok. Grizzly, dans quel état te sens-tu? Il te faut un casque. Voilà, t'es occupé de traire le 9, c'est bien. Ensuite, tu vas te prendre un casque. Ok. Maintenant, nous avons Dan qui va se prendre un casque. Il va le faire tout de suite. Ensuite, nous avons Anarchiste qui lui prend le master. Ensuite, nous avons Allo, qui est occupé traire, mais qui va ensuite mettre ceci. Et un casque, essayer de trouver un casque correct, un master ici. Voilà. Et tu me prendras ceci. Ok, anarchiste, es-tu prêt? Anarchiste, c'est Dan ça. Dan, tu viens ici, sur le côté. Ensuite, anarchiste, es-tu prêt? Anarchiste, tu es prêt. Tu viens ici. Libellule, tu viens ici. Et ça se referme. Parfait. Ensuite, Grizzly, tu enfumes un casque de commando. Parfait. Je veux maintenant vache qui récolte. Je veux maker. Maker, tu viens. Je crois qu'il y a un nouveau fusil pour toi. Maker, tu vas prendre un joli flingue. Voilà, ça. Vache, tu as quoi? Tu as un chef-d'œuvre? Oui. Allô? Tu as quoi? Bon, ok.
toi, si tu prends pas ça, ça n'ira pas bien. Allez, come on, boy. Et tu viens ici. Bam. C'est fait. Allô. Enfile une armure de commando. Enfile un casque. Ok. Ça va être un peu juste, mais ça sera bon pour le deuxième, je crois. Rizzi, c'est parti. Libellule, tu es parti. Vous n'avez pas besoin d'un. Alors, toi, tu récoltes. Ah. J'ai besoin de récolter, mais j'ai besoin d'attaquer aussi. Ok, on va te laisser un petit peu le temps de faire ça. Et allô, ok. Bon. Ok. Où est-ce que vous en êtes, les petits gars? Maker, viens. Viens ici, Maker. Vache, ma chérie. T'en as une chier. Mais j'ai besoin de toi quand même. T'iras après. Tant pis. Ça vaudra la bouffe de toute façon. Chauve, c'est fait. Alors, Chauve, tu vas venir. Tu fais ce que tu veux. Ouais, tu fais ce que tu veux. Grizzly, allez. Récolte planderie, tu viens ici. Bam. T'es là. Anarchiste, t'es là. Allô? Maker, t'es là-bas. Vache. Allez, on continue. Ok. T'as fini. Tu es parfait. Donc tu viens ici. Tu viens ici. Maker est prêt, vache arrive, allô arrive, qu'est-ce qui me manque, Grizzly, t'es prête, t'es prêt, t'es prêt. Toi, je sais pas pourquoi je t'ai mis un, ah si si, j'ai bien fait de te mettre un casque, Maker est prêt, vache, elle arrive, il manquerait que d'équerre, mais... Ok. Libellule, ma chérie, est-ce que tu peux tirer sur ce truc? Ah. Et on va repasser en vitesse 1. Tu touches. Attacking Trumbo. Le Trumbo, est-ce qu'il sait? Pour le moment, il erre. Vengeance de Trumbo. Merci, mademoiselle Libellule. Vous allez vérifier que la porte est bien, va bien se fermer. Ok. Et toi, tu reprends maintenant le pistolet mitrailleur lourd. Thank you.
Ok, maman, tu peux revenir ici, ma belle. Toi, tu fais quoi? Toi, tu attaques sans rien faire. Ok. Libellule. Mais ici. Ah, on va voir combien de temps on va pouvoir. Donc notre monsieur a déjà. Il aura du tout. Est-ce que tu es malade ou pas là? Non, hein, tu n'as pas de problème de santé. Donc on l'a. J'ai tiré deux fois dessus, c'est passé à l'intérieur, hein, si je comprends bien. Et puis, tu m'attaques celui-là. Ok. Bon, anarchiste, c'est comment avec ça? Ça m'a l'air d'aller sans problème. Excellent. Excellent. Bon, l'autre, qu'est-ce qu'il fait? Pour le moment, il attend sans rien faire. Il a les artères bouchées, lui. Tiens. On va déjà apporter tout ça. Donc, messieurs, merci de votre visite. Merci de me vider ça. Toi, tu transportes du riz. Toi, tu ramènes ça. Ah, c'est secourir Trumbo. Ouais, il est bien entendu que, même en le secourant. Ah, mais j'ai d'un dégo. Attends, j'ai quoi moi comme. Ça, c'est quoi? Frénésie de mouvement, ça c'est. Chirurgie. Donc, on ne rêve pas, c'est même pas la peine d'essayer. Vous avez 1% de chance de ou 3% peut-être de chance de l'avoir, quoi. Donc, on va tout simplement le chasser. Et donc, anarchiste, tu vas te reposer. Grizzly, tu me le ramènes. Non. Libellule. Tu vas le chasser, voilà. Les autres sont occupés à transporter des trucs. Toi, tu fais rien du tout. Tu transportes quand même. Transporte le riz. Maker, tu répares le métal. Parfait. Grizzly, qu'est-ce que tu as avec toi? Pas rien, ma biche. Prends avec toi. Voilà. Ok. Bah, je pense que le reste, c'est A. Ok. Bon. Jusque-là, c'est pas mal. Il en reste un. Bon, on voit qu'on peut le péter sans problème. Hein. Deux petites contusions, c'est pas un énorme problème. On va demander à Vache d'aller soigner Anarchiste, tout simplement. Et puis on attaquera la copine là-bas. Voilà, Vache. Viens soigner Monsieur Anarchiste. Voilà, Monsieur Anarchiste. Là, vous n'aurez quand même vraiment pas besoin de. Pour une petite contusion, 33 points là. Pour 3 petits points, vous voyez? Donc là, la corne nous a fait que 3,2 grâce à notre truc de commando. Hein. Cœur, bien soigné ça. 25%, tu sais faire mieux que ça, hein, vache, quand même. Voilà. Ah bah oui, c'est déjà le double ça. Ok, on va attendre d'être un petit peu de nouveau repris avec notre copain ici. Ok, alors.
Où est-ce qu'en sont nos personnages? Bon, on va déjà virer tout ce qu'on n'a plus besoin. Ok. Bon, vous voyez qu'au niveau de notre bouffe, on a des gros problèmes, hein. Ben oui. Déjà, là, on a perdu 2,5 jours de bouffe. Donc, on va laisser d'abord récolter tout ça et planter tout ça, parce que je veux pas perdre de trop. On a perdu assez. On s'occupera du... Voilà, notre caravane est arrivée. Ça, on va déjà le virer aussi. Et on va les remettre comme on les met d'habitude. Ici, à l'intérieur. Architecte. Divers. Zone de chargement. Je veux, mais... Voilà. On va faire 3-4, hein, comme ça, va. Parfait. Ensuite, on doit ramener nos animaux qui étaient partis. Donc, ces deux-ci, normalement, bon, abattoir et abattoir. Voilà. Il y en avait deux, plus deux nouveaux. Plus deux nouveaux. Plus ces deux-là. Un. Et deux. Voilà, on a tout ce qu'il faut. J'avais dit que le 9, je voulais le tuer. Le numéro 9 femelle. Ok, on peut la tuer, la manger et elle a fait tout ce qu'il fallait. Toi, on peut aussi te foutre dehors. Un 3%. Alors, est-ce que j'ai eu des autres mâles? J'ai un dromadaire mâle ici. Et un autre à 27 jours. Pour demain, il devrait être bon, lui. Mais il a bouffé 19,6. Dès qu'il passe au niveau suivant, on le tue. Et j'ai eu que des femelles. Tiens, tiens. Ok. Coleman, on s'en fout. On revient ici. Decker, tu repasses. Des assignations d'équerre en pâte. Messieurs, vous restez en habit forcé. Le planning pour d'équerre revient, on va te coller. Tu en es où d'équerre dans ta vie? Tu es plaisir, repos 61, il est 11h, tu devrais bientôt aller dormir. 11h, c'est parfait, tu vas aller dormir. Ok, c'est bon pour moi. Tout le monde va aller dormir, on va attendre que ces trucs reviennent. Voilà. On a envoyé... l'autre, elle va mourir en chemin. Je sais pas ce que ça va donner comme... comme importance. Alors, j'ai pas beaucoup envie que tu viennes à l'intérieur. Chauffe, t'es où? Ouais, chauffe, t'es... Non, Maker. Maker, viens ici. Non. Ok. Ah, on va essayer de virer nos trucs aux bons endroits. Qu'est-ce que tu as? Toi, tu vas prendre de la pénoxicilline, ok? Et tu n'as rien sur toi, donc je te laisse faire. Vous, mon cher ami, qu'est-ce que vous avez sur vous? Vous avez tout ce qu'il me faut. Or, argent, plastacier. d'acier. Ouais, on peut déposer ça. Lampadaire, on a tout ce qu'il faut, ok?